Fabio, aujourd'hui il fait beau et chaud. Rien de tel pour surmonter cela qu'une interview avec Mathieu Di Stefano. À l'avant-partout. Entretien avec Mathieu Di Stefano. Donc Mathieu, merci de nous recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Et comme je te disais hors caméra, on va faire un entretien photo. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'avais plus mis en avant. Donc je vais te montrer quelques photos et ça sera à toi de réagir sur ces photos. D'accord. Voilà. Alors la première photo, celle-là, elle date de 1992. Mm-hmm. Et c'est à l'époque où tu étais junior. Donc Fabien Pugliano, non? Ça, je pourrais pas te dire. Il me semble bien que c'est Fabien Pugliano à l'avenir, si je me trompe pas. Donc à travers cette photo, j'aimerais que tu réagisses, même si tu étais déjà junior, sur tes débuts dans les Joutas. Mm-hmm. Et parce que là, cette année 92, il me semble que tu as gagné 5 tournois quand même en junior. Ah ouais? Donc revenir sur ces débuts. Ah putain, oui. Attends, 92 ou 91? Tu as été champion en 91? Oui, 92, oui, bien sûr. Alors ouais, 92, ouais, c'était une sacrée saison. C'était une saison où, en fait, j'avais rencontré Sylvain Mira. Tu vois, Sylvain Mira, décédé, ouais. Ouais. Je l'avais rencontré à la Saint-Louis Junior parce qu'on avait fait la Saint-Louis ensemble. Et voilà, on avait super sympathisé, on était devenus bon copains. Quoi. Et cette année-là, je me mets à gagner. Et il me dit, on va te faire gagner. Pourtant, c'était pas un bon shooter, tu vois, c'était un shooter qui démarrait, quoi. On va te faire gagner, machin, là. Et là, je commence à enchaîner. Je sais pas si j'avais pas gagné 5 tournois d'affilée. Et je gagne à l'avenir, donc justement, le soir on sort en boîte et bon, malheureusement il s'est tué. Et là, le tournoi d'après, c'est dingue les coïncidences dans les joutes, le tournoi d'après j'étais premier de Barca. Et j'étais monté, c'était au Gros du Roi, j'étais monté avec les poils jusque là parce que je voulais gagner ce tournoi pour lui. Et je sais plus qui c'est que j'avais pris, j'ai traversé les planchers, j'ai trop mis quoi. Tu vois. Voilà, ça c'était pour l'année 92. Hein. Et après mes débuts d'année joute, ben moi je suis arrivé naturellement avec ton père. Par rapport à mon père, ouais, évidemment. J'ai été élevé là-dedans. Et voilà, et tu vois, je me rappelle de trucs qui paraîtraient folles aujourd'hui. C'est que j'avais hyper peur. Dès que j'ai commencé à jouer sur les barques, j'avais peur. Et des fois je voulais pas les jouter. Et ben mon père il me faisait, à l'époque c'était les téléphones à cadran, tu sais, comme ça là. J'ai connu aussi. Hein. Ben il me faisait appeler Vincent Stento qui était le président de l'école de joute. Hein. Et je lui dis excuse-moi mais je viendrai pas et tout, tu vois. Tellement que ben, pour lui c'était pas. Ah il t'obligeait, c'était toi qui parlais. Il m'obligeait à m'excuser envers le président parce que je voulais pas les jouter, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc après, bon, mais j'ai commencé. Jamais été quelqu'un de très sûr de moi sur les barques. Donc j'ai pas mal travaillé sur moi. Et puis voilà, et après, j'ai commencé à gagner un peu. Bon, j'avais un gabarit, un jeune qui était un peu au-dessus de la moyenne quand même. Et donc voilà, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sans être un méga champion. Bon, j'ai joué sympathiquement, quoi. Allez, on va enchaîner avec la deuxième photo. Avec ton papa et ta sœur. Ça, je l'aime. Ça, je l'aime. C'est déjà, il y a une anecdote. C'est que sur le Midi Libre, il y avait marqué Paul Di Stefano et ses deux fils. D'accord. Ma sœur et ma mère, elles étaient folles. Folles. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois cette photo. Ouais. Normalement, c'est une photo que personne ne devrait avoir. Parce que là, à côté là, de mon père, il y a Yves Marchand. Tiens. Et puis bon, ben nous on avait eu des différends avec lui par rapport à. Parce qu'au début il se battait pour avoir mon père sur sa liste, et puis mon père n'était pas allé sur sa liste, enfin bon voilà. Donc ça avait été compliqué. Et c'est ma mère qui avait demandé à Clément de l'effacer en fait. Donc normalement, cette photo là elle est à nous, et ça fait plusieurs fois que je la vois. Elle est ressortie, je sais pas comment, mais elle est ressortie quoi. Moi, ça fait un moment qu'elle est sur ma page celle-là. Ouais, ben justement, ouais, on me l'avait montré une fois quand elle était, parce que moi je suis pas sur Facebook. Donc on me l'avait montré, j'ai dit mais comment il a fait pour l'avoir, parce que voilà, c'est une photo que normalement elle n'est pas sortie quoi. Donc à travers cette photo aussi, j'aimerais bien sûr que tu nous parles de ton père, ce qu'il a représenté pour toi, et surtout comment tu expliques qu'encore à l'heure actuelle
il ait une telle aura, une telle image encore. C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, moi, mon père, c'est mon modèle. C'est normal. Facile, hein. Bon, c'était quelqu'un qui était hyper apprécié, qui apparemment, quand il parlait, était écouté. Pour autant, quand on me parle de lui comme un champion de joute, machin, tout ça, un jour, je regarde, c'était joute.com, au début de joute.com, il y avait des palmarès, tu vois. Tout à fait. Et moi, je ne savais pas, moi, mon père, il est mort, j'avais 11 ans, je ne savais pas ce qu'il avait gagné, vraiment, tu vois, à part les fameuses 5 Coupes de France d'affilée. Et donc, je regarde, hein, et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait gagné que 2 tournois de championnat, en fait. C'est rien, quoi, c'est rien. Hein. Une nuitée, 3 Coupes d'or, bon, là, c'est Louis, c'est, vraiment, c'est ce qui fait un peu la différence. Et ces fameuses 5 Coupes de France. Donc finalement, si tu regardes bien, c'est pas un mec qui a gagné des tonnes de tournois comme a pu le faire à l'époque Robert Bension, tu vois, dans cette génération-là, les Guy Bonacaz, tu vois, les Librano, c'est des mecs babards, tu vois, c'est des mecs qui gagnaient plus de tournois. Bon, après, à ce qu'il paraît qu'ils jouaient moyen, parce que comme on avait la plage, ils jouaient moins. Mais voilà, donc après, ouais, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui, pour moi, représente l'alignation, tu vois. Voilà. On continue avec celle-là, avec toi en train de jouter Jacques Noguet devant toi. Ouais. J'aimerais juste que tu me dises ce que tu as ressenti quand tu as débuté en lourd avec des grands socos sociétaires comme ça. Ouais, c'était nos idoles, les mecs... Alors Jacques, tout le monde va te parler de Jacques en premier parce que en plus il gagnait, tu vois. Mais après, moi j'ai démarré à la Jeune Lance à 15 ans. Quand je montais au social faire les réunions, c'était magique. C'était le vendredi soir, donc évidemment, à la fin tout le monde restait. Et t'avais, ça chantait, tu vois, les frères Espoir, Jacques Chichois, Germain au début, Bouchon. C'était, il y avait Minal, il y avait... Petit Pierre, il y en avait, et alors c'était des mecs qui avaient cette manière de la déconnade facile, tu vois. C'était des mecs qui, putain, quand ils te disaient un truc de suite, tu étais obligé de rire, et voilà. Et après, Jacques c'est le modèle, tu vois, c'est le modèle de joute que tout mec de la Jeune Lance de notre génération a voulu suivre. Après, avec plus ou moins de capacité à limiter, hein, mais en tout cas, c'était ce mec-là à qui on voulait ressembler, quoi. Et moi, j'ai eu la chance donc de gagner les mi-moyens l'année où il a gagné la Saint-Louis en 94, sa première à Saint-Louis. Ouais. Ben justement, là, tu me tends la perche, hein. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est bien celle-là, ouais, de 94. C'est celle-là, c'est exactement. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous racontes cette Saint-Louis. Et tu en as gagné d'autres aussi. Ouais. Donc, celle-là, elle appelle les moyens. Bon, la première, donc, bon, j'ai gagné les moyens en 86 à l'école de joute. Après, je suis monté un an en avance en lourd parce que il me semble que cette année-là, il n'y avait plus de moyens. Donc, il n'y avait plus assez de jouteurs. Donc, j'étais monté un an en avance, j'avais fait second contre Régis Giordano. Après, j'ai gagné 2 ans d'affilée les lourds. Après, en 90, on ne joutait pas. Enfin, à 16 ans, on ne faisait pas la Saint-Louis. Mmh. Donc, je n'ai pas jouté. En 91, j'ai gagné les juniors. Ça, c'était une Saint-Louis. Je ne me suis jamais autant mis la pression que ça pour aucun tournoi, quoi. C'était, tu sais que celle-là, là, si tu la manques, ah c'est oui, mort. C'est fini. C'est fini. Et donc, bon, j'étais dans les favoris, mais je n'étais pas le seul, quoi. Il y avait notamment Patrick Ferraro qui a arrêté très jeune. Mais oh là là, quand on était jeune, c'était un calvaire, il était super fort. Je pense même que c'était le meilleur de nous, hein, il me semble bien. Hein. Et j'avais eu la chance de le gagner en demi-finale, et j'avais pris Pierre-Yves Roman en finale. Et voilà, c'était... Ça a été mon animateur au centre, Pierre-Yves Roman. Ouais. Et puis alors, après, on a fait, parce qu'on était copains, tu vois, en plus avec Pierre-Yves, et après, on a fait une soirée de fou, on était tous sortis ensemble, c'est vraiment... un super souvenir. Bon, après, c'est vrai que quand tu gagnes Saint-Louis, en principe, t'as plutôt des beaux souvenirs que des souvenirs moyens. Et donc, après, donc ça c'était 91. 92-93, j'ai fait mes armes à mi-moyen. À mi-moyen. 93, je pensais pouvoir aller au bout. Et,
Et si, j'espère qu'il écoutera l'interview, parce qu'à chaque fois que je le croise, on se galage là-dessus. C'est Gilbert Arnaud qui m'avait jeté en demi-finale. Un mec qui un vieux, pour nous c'était un vieux, ouais. Un vieux qui arrivait là, qui avait jamais jouté. Et en fait, il a une force de taureau, Gilbert. Et il avait pris Hervé Filicias à la revanche, et moi en demi-finale, il nous avait massacré. Pourtant, on était les favoris, tu vois. Donc ça, c'était pour 93. 94, je la gagne contre Hervé. On fait, je sais plus combien de passes, il me semble 2-3 passes. Et vraiment, ça s'est joué à pile ou face. Hein. C'était une passe un peu, on était fatigués, on était à la fin. Et vraiment, je pense que j'ai eu un peu de chance d'avoir le petit sursaut de force pour arriver à gagner cette passe. Et 3 ans après, on s'est retrouvés encore une fois en finale, tous les deux. Et là, tu vois, alors déjà en 94, j'avais dit, qu'est-ce qu'on fait, hein. On a partagé, non, il me semble. En 97, on a partagé. En 94, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, hein. Il me dit, on joue, je gagne. 97, on était encore sur la même barque. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, hein. Il me dit, on joue, allez, ça va. On passe la garde. Repasse la garde. Et là, un avertissement encore, on l'a partagé. Hein. Il me fait, allez, on passe à la deuxième. J'ai dit, d'accord. Et allez, en avant, on joue, on passe à la deuxième. Il lâche la lance. Putain, je lâche la lance. Il lâche le pavois. Je lâche le pavois, je me dis, il va pas tomber dans l'eau, ce coq. Hein. Et puis, non, hop, on est resté. On a gagné. On s'est fait siffler comme pas par rien. Moi, j'avais été hyper choqué, quoi. Hyper choqué parce que, pour moi, c'était. On avait fait le bon choix, tu vois. Déjà, on avait quand même jouté 2 passes sérieusement. Et puis, bon, on était amis. Il y avait cette histoire qu'on l'avait fait ensemble 3 ans avant et tout. Et après, maintenant, c'est vrai que. Avec le recul, quand maintenant comme je me place hein, côté président, côté organisateur, côté dirigeant, bon, ben, c'est vrai que c'est toujours emmerdant. Hein. Mais si demain je devais la refaire en tant que shooter, pas avec n'importe qui, hein, mais peut-être que je le referais. Mais je ne l'accepterai jamais, je ne peux pas l'accepter en tant que dirigeant, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors on continue, celle-là c'est une passe à Frontignan il me semble, là, contre ouais. Mahu Castillazuelo. Ouais. À travers cette photo, j'aimerais que tu reviennes, parce que tu commences à être un ancien, si on peut dire, que tu as connu les grands jouteurs comme Mahu et la génération actuelle. Mmh. Alors parmi les jouteurs passés, lequel t'as le plus marqué, et parmi les jouteurs actuels, la même question. Alors, parmi... Alors, tu vois, j'aurais aimé un jour jouter vraiment contre Jacques Noguet, tu vois. On s'est pris 4-5 fois, on n'a jamais jouté. On n'a jamais jouté, chaque fois, où c'était lui, où c'était moi, on s'est fait le jeu. Je sais même pas si c'était à chaque fois qu'on faisait le troisième de l'autre, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, si on s'est pris 2 fois au mémorial, tu vois, à chaque fois, il me le disait pas. Bon, il se jetait dans mes pieds, hein, il se ruinait à chaque fois, mais il me le disait pas. Ah, je croyais que j'avais gagné, en fait, il me laissait jouter. Après, je me rappelle de Guy Bonocasa, pour ma Saint-Louis Lourd en 97. Donc j'avais gagné les moyens, je me qualifie de revanche. Et là, je monte et je prends Guy. Et il y avait Jacques, donc il était en dessous. C'est peut-être la photo que tu m'as montrée précédemment. Et il me dit, alors, écoute-moi bien, il me dit, tu mets la lance en dedans, tu vois. Il me dit, et au fur et à mesure que tu te mets en ligne, tu mets la lance en dedans, au fur et à mesure que la barque, elle avance, tu décales ta jambe, et au dernier moment, tu vas à la barre. Ah, ok. J'ai mis la lance en dedans, je me suis mis en ligne, je jetais comme un paille. Et il m'a attrapé, il m'a envoyé à 20 mètres. Une lance, il avait une lance de fou. Il était en fin de carrière. Et ça, vraiment, c'est un truc, tu vois, ça m'a marqué. Après, bien sûr, j'ai fait des combats quand j'étais au mieux de ce que j'ai pu faire, et que lui était aussi à la fin, avec Claude Macias, ça marque quand même, tu vois. Je me rappelle d'un combat à l'avenir où on avait dû faire, je sais pas, 3-4 passes peut-être. J'étais sorti de là, on s'était filé des coups de lance et des coups de pavois dans tous les sens. Bon, j'étais vrai, on joutait bien, hein, tu vois. Fait, mais c'était tellement engagé, tellement qu'on était presque à force égale, tu vois.
que papi, paro, à la fin, tu vois, c'est des lives, à un moment donné, il faut bien qu'elle parte quelque part. Hein. On a eu fini comme vraiment mal partout. Et après, maintenant, je vais te dire Benjamin Rameau, comme tout le monde. Hein. Peut-être le shooter le plus pur que je connaisse, que j'ai vu, toute génération confondue. Et certainement, pour moi, quand je pense à lui, et je dis c'est presque dommage parce que j'imagine qu'il n'aura pas le nombre de victoires qu'il pourrait avoir parce qu'il joue trop franc, trop simplement, trop en force, tu vois. Fait, à un moment donné, c'est une joute à risque. Mmh. C'est ce que tout le monde a reproché à Aurélien de gérer ses passes, de gérer jauger ses adversaires, de jouer. Et quelque part, bon, ben, c'est un peu ça le but, quoi, c'est essayer de gagner. Donc, alors que lui, non, c'est on fera bam, 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 bam. Faire et souvent plaisir aux collègues aussi qui se laissent jeter souvent. Ouais, justement, là, on s'est allumé il n'y a pas très longtemps quand on a fait le tournoi de coordination cette année. Ce qu'il a fait, et donc il a laissé passer Loïc Serrato. Et putain, j'ai dit, oh, mais jamais, t'as trois tournois à faire cette année. Tu veux pas les shooter? Ah, tu compares rien, tu vois, on s'allume tout le temps. Et après, le petit gagne. Ah, tu vois, je t'avais dit que j'avais les autres. Ouais, mais non, enfin bon, après, voilà, chacun il voit midi à sa porte. En tout cas, c'est sûr que je suis persuadé qu'à la fin de sa carrière, il lui manquera 20 ou 30 tournois parce que, ou il aura fait plaisir, ou des fois, c'est pas le cul, hein, paf, ça décroche, tintac, tu mets le pied sur la plage de devant, hein, c'est mort. Hein. Mais ce serait dommage. Alors, on revient avec Ispa, Subitani et le mémorial Paul Di Stefano. Donc, j'aimerais juste que tu nous racontes l'histoire de la création de ce mémorial. Mmh. Qui a eu l'idée? Et c'est une belle histoire. Ben, alors, l'idée, ben, ma mère, elle en parle quand on fait la remise des prix. Donc, chaque année, elle est là. Et elle en parle à tous les coups. Elle dit qu'à l'époque, tout le monde voulait organiser le mémorial. La Ligue, puisqu'il était président de la Ligue, voulait organiser le mémorial. La Jeune Lens voulait organiser le mémorial. Et donc, on se disait, ouais, mais est-ce que la Jeune Lens aura la solidité? Parce qu'à l'époque, la Jeune Lens ne faisait plus de nuité. Ok. Et est-ce qu'ils auront la solidité de continuer à perpétuer le truc et tout? Et je crois que Minal avait réussi à convaincre ma mère. Et donc, je disais peut-être une bêtise là, parce que Minal, il n'avait pas été président de suite. Enfin bon, en tout cas, les hommes forts de la société, ils ont réussi à la convaincre. Et du coup, elle a accepté. Et depuis, ça perdure. C'est une des belles nuitées. Alors, c'est vrai que des fois, il manque du monde. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, là, cette année, qu'il y a quatre tournois. Hop, tout le monde me dit, ah, tu peux marquer. Et bien, moi, c'était avec plaisir, je me suis régalé, c'était bien. Et après, je ne vais pas les fouetter, les mecs. Hein, ouais. Puis, je ne vais pas les appeler, tu vois. Ça ne les a rien, allez, viens. Après, chacun, il a plus de 14 juillet, tu vois. Je sais que les mecs de Frontignan, ils ont la fête. T'as les fêtes à Palavas, c'est une nuitée qui est prisée, quand même. Ouais. Par les mecs de 7, ils ont envie, tu vois. Par exemple, Benjamin, je crois, il me semble qu'il m'a dit qu'il n'avait pas gagné. Cette année-là, il m'a dit, j'ai toujours pas gagné. Et je dis, ouais, mais bouge pas le cul, je sais pas. Allez, on continue avec... 2009, la couverture du programme de la Jeune Lens, ouais. Où tu prends la place, si je puis dire, à Minal. Donc, comment ça s'est fait tout ça que tu Je ne prends pas la place à Minal. C'est ça que je te dis, si je puis dire. Alors, comment ça s'est fait? Pour le 60e anniversaire, deux ans avant, Minal nous a émis le souhait de quitter la société, enfin de quitter la présidence en tout cas, parce qu'il est toujours là et bien là. Et puis, c'était une période où moi, et donc de suite, tout le monde m'a demandé à moi. Donc, c'était 2007. 2007, j'avais 33 ans. J'étais jeune. Hein, on était en train de reprendre le central. Donc, pas mal de boulot, tout ça. Donc, j'avais pas voulu. Hein, j'avais dit non, je peux pas, tout ça. J'ai dit, laisse-moi 2-3 ans, on verra. Et deux ans après, on fait une réunion aux Herbettes avec le bureau. Et il nous dit, voilà, c'est ma dernière réunion en tant que président. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre le truc? Et tout le monde a fait comme ça, là, tu vois.
Et bon, ça va, mais il nous a dit débrouillez-vous. Et le soir, tout le monde m'a appelé, ah, ça serait bien que ça, toi, allez, ce serait bien. Et du coup, je me suis un peu senti investi par la succession de mon père. Mon père n'a jamais été président de la jeunesse. Mais bon, il faisait office un peu, parce que c'était lui qui menait un peu le truc, qui menait les réunions, tout ça. Commencer à lui emboîter le pas, à essayer de faire un peu quelque chose. Et puis c'est vrai que moi, la jeune lance, c'est comme une partie de ma vie, de ma famille, quoi. C'est comme ça, hein. Donc voilà, donc je suis rentré là. On a eu des premières années un peu compliquées, parce que mine de rien, la société, elle avait commencé à perdre un peu de sa superbe. Et je pense que Minal, quand il a dit 2 ans avant, c'est l'heure, il faut que j'arrête, enfin je voudrais arrêter, je pense qu'il l'avait vu. Je pense qu'il sentait qu'il fallait, un truc qui change. Et donc voilà, on a redémarré. On n'était pas une tonne, hein. On était quoi, une quarantaine, hein. Même pas. Hein. Et donc, tu faisais des réunions générales à 10-12. Je te garantis qu'il y a des fois, je rentrais à la maison, j'étais au fond du soir. Tu avais peur pour la pérennité de la société à ce point ? Ouais, parce que j'arrivais pas à nous rendre attractifs. J'arrivais pas, ouais, je nous trouvais pas attractifs. Je me sentais pas capable de créer quelque chose. Je savais pas trop, tu vois. Alors, à un moment donné, j'avais comme confident un peu Maxime Dalmon, tu vois. Parce que bon, c'est un garçon qui sait y faire, il connaît l'associatif, il est intelligent, tout ça. Donc on a pas mal discuté, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Alors à un moment donné, on y était, il faut qu'on fasse revenir les anciens, parce que nous, c'est ça qui nous plaît dans la jeunesse, c'est ce qui se passait avant, tu vois. Et donc tu avais Hervé Félicès qui était parti, tu avais Laurent Seb qui était parti, tu avais Jojo Mathia qui était parti, Laurent Clut, il fait du boulot quand même, Laurent, tu vois. Et donc on a dit on va essayer de faire revenir, tu vois. Et puis on réfléchit, qu'est-ce que t'as pas. Et puis on a dit non, on voulait pas racoler, essayer de, tu vois, c'était parti, il serait revenu, c'était avec grand plaisir, j'aurais été le plus heureux. Mais j'ai pas voulu, tu vois, aller les chercher comme ça. Et du coup on a dit, ben écoute, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de bien vivre entre nous. Et puis voilà, et on n'a pas besoin d'être 200 dans la société, pourvu qu'on vive bien entre nous. Et petit à petit, c'est con, hein, c'est quand tu ne veux pas regrossir, refaire tout remonter, que doucement, tu as du monde qui s'est greffé. Et actuellement, je vis dans la société, mais alors quand même pas, quoi. Je me régale. D'ailleurs, là, ce soir, on fait la grillade du mardi. On se régale, t'as les femmes, t'as les enfants, t'as les anciens, les pas anciens, c'est vraiment hyper éclectique comme personnes qui sont là. Alors les femmes, elles amènent une quiche, une pizza, un machin, hop, nous on fait griller des saucisses et tout, et puis voilà, tout se passe bien, et je te dis, on vit super bien, quoi. Familial. Exactement. La relève avec le fiston, est-ce qu'il l'apprend là ou pas du tout? Est-ce que ça a l'air de se toucher? Je sais pas si je vais y arriver. Après, moi je suis pas. Tu vois, ici, j'ai ce tableau qu'on vient de m'offrir. C'est un Batista. Et j'avais toujours dans ma tête, quand j'étais jeune, je me disais, quand je serai grand dans ma maison, j'aurai un tableau de joute, mais dans ce style-là, tu vois. Ouais. Donc j'ai ça, mais après tu verras pas de pavois, de lance, de coupe. Ma femme, elle est pas fan de joute, ça la dérange pas, mais elle est pas fan. Et moi je vis joute pendant 3-4 mois, et après l'hiver je passe à autre chose, quoi, tu vois. Donc le petit, je l'ai pas élevé avec les cassettes de Saint-Louis, tout ça, tu vois. Et je l'ai essayé, je l'ai fait aller une fois là, il a fait un entraînement à l'école de joute. Et il est un peu gagnos, je crois, tu vois. Comme ton petit. Ouais, exactement, et c'est pour ça que ça me fait vénère. Et donc voilà, donc il a essayé un peu, il n'a pas voulu, et je ne l'ai pas forcé. Après, je te dis sincèrement, j'aimerais, hein, j'espère qu'il y vienne. Hein.
Mais finalement, je suis soulagé qu'ils ne fassent pas l'école de joute parce que les parents, ils sont lourds, quoi. Ils sont lourds. C'est comme au foot maintenant. Ça se dispute, ça crie, ça machait. Et lui, il a fait ça, l'autre, il a poussé, l'autre, il a aidé, il a triché. Ah, c'est malsain. Il laisse shooter les petits. Enfin, moi, je sais que je suis sorti de l'école de joute. Je ne savais pas le dedans, le dehors, le machin. Je ne savais rien du tout. On nous a appris à nous tenir en blanc, à être respectueux de notre adversaire. Et puis après, voilà quoi. Après, tu fais tes armes plus tard. Ça sert à rien d'essayer de faire des champions. Tu sais, maintenant, on te dit, le petit, il a gagné 3 tournois. Ah, c'est le champion. C'est qui est le champion de quoi? Le champion, c'est quand il sera lourd. Regarde le petit Amaya Raymond. Parfois, je crois qu'il a gagné plus de tournois que ce qu'il en a perdu. Largement. Ouais. Largement. Hein. Et pourtant, c'est pas encore le champion. Tu vois, et il a la chaîne, ce petit, il a la tête bien reposée. Tu vois, il a pas le cigare. Mais il aurait pu, avec les gens qu'il y a autour, qui veulent le voir. Oh Raymond, t'es fort, hein, oh, putain, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Ouais, c'est le meilleur, mais attends, quand il sera lourd, ça sera le champion. Pour les styles, c'est super petit, il joue tout bien, parfait, le top. Mais champion, ça vient après. Ton seul succès en lourd, ouais. Jeune Lance 2010. Ouais. Alors, comment tu as vécu ce tournoi? Et est-ce que tu estimes que c'est un juste palmarès d'avoir pour toi remporté un seul tournoi en lourd? Oui, franchement, j'en méritais pas beaucoup plus. Celui-là, c'est arrivé comme connement. Hein. Je me rappelle de la fin. Je crois qu'en revanche, je prends Olivier Wurtz qui lâche le lance. Je crois que des fois, c'est un peu le cul. Hein. Je le prends sur la barrelle, paf, ma lance elle décroche. Hein. Et tu vois, je l'amène quasiment à la deuxième garde et il lâche la lance. En demi-finale, je prends Patrick Timothée. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé de mon père. Et les gauchers, ça ne me dérange pas trop, tu vois. Il y a plein de gens qui vont les chercher dans le R, tu vois, qui ne donnent pas de pavois et qui vont les jeter à la lance dans le R. Et moi, je trouve que c'est un risque, parce que si toi, ta lance, elle décroche et que lui t'attrape, t'es mort. Donc moi c'est le contraire, j'essaie de les contrer, je prends beaucoup de planchers, je les contre et je vais les chercher dans leur dedans, tu vois. Au moins je maîtrise, j'arrive pas, tant pis pour moi. Et donc j'ai pas trop d'appréhension par rapport au gaucher. Donc j'avais réussi à jeter Patrick et au final Benjamin il m'avait fait le jeu. C'était plus facile. Hein. Donc voilà, après c'est juste palmarès. Ouais, l'année d'avant, encore une fois, tu vois, les joutes c'est ça tourne sans arrêt. Et l'année d'avant, je fais ma première finale à lourd au Pavois Gatois contre Louis Fille. Et donc, je lui ai laissé gagner, c'est normal. Quoi. Et on m'avait dit, mais tu es fou, franchement, t'as jamais gagné un tournoi, tu fais ta première finale, tu laisses. J'ai dit, ma foi, je vais pas le laisser. Et c'était chez lui, le président. Pareil, il était en fin de carrière. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Ancien, il a fait partie de la Jeune Lance. Et puis après, voilà, on a été très copains. Il m'a rendu des services et tout. Donc, attends, moi, ça me paraissait logique, quoi. Et puis, j'aurais jamais gagné de tournoi lourd. Ça change quoi, franchement. Si j'en gagne un ou zéro, c'est que j'étais pas un champion. Et puis, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, c'est bien. Je suis content. Mais après, voilà, gagner son tournoi, ça reste un objectif dans sa vie de shooter. Donc voilà, tu vois, j'ai gagné tous les tournois qui sont importants pour moi, à part le lundi à Saint-Louis. Et ça va être vrai. Alors ça, tu fais le jeu, il faut pas le dire, mais bon, Sébastien Novier, est-ce que on peut considérer que c'est le plus beau plongeon que tu as fait de ta carrière? Ah, certainement, ouais. Ah, certainement. J'en ai fait un autre comme ça une fois aussi, mais c'était un entraînement contre Ilian Talano. Donc tu vois, c'était pas hier. Hein. Et c'était à l'époque que j'étais vraiment jeune, on s'entraînait sur barque au pêcheur. Et il joue toi et il prend Laurent Boud avant moi. Et Laurent Boud, il le fait passer par devant. Il remonte comme un fou, il dit tout le monde en face. On se met tous sur la barque en face. Là, il nous a massacrés. Mais quand je dis massacré, moi je me rappelle, je suis parti en plein champ, sur le dos comme ça, mais vraiment loin, sur le dos en arrière comme ça, et j'ai fait un plat. Jamais j'ai aussi mal de ça que ça de pas donner le passe de joute. C'était lui encore un joueur de lance, un cadre. Hein. Et là Sébastien, putain, alors je fais son troisième,
Et je faisais, ne joute pas. Et je voyais dans son regard qu'il ne me voyait pas. Ah. Il ne me voyait pas. Il était tellement concentré, tellement qu'il voulait se qualifier. Et j'ai dit, putain, il va me tuer. Et au dernier moment, je me suis crispé, parce que sinon, il m'aurait marché dessus. Et donc, du coup, comme j'ai donné un peu de répondant, mais en plus, voilà, je m'étais déjà fait opérer. Quoi. Alors là, je suis parti. J'ai retrouvé la vidéo sur Internet. Je la mettrai en bâtard. Je n'explique pas comment je me suis fait allumer. Hein. Alors, je te montre celle-là, c'est la Saint-Louis 2014. Et il me semble que c'est lors de cette Saint-Louis que tu as réalisé ta dernière grande performance en Saint-Louis lourd. C'est possible, ouais. Alors, ça a été quoi d'ailleurs ta meilleure performance durant la Saint-Louis lourd? C'était quand je. Ben après, je méritais. Enfin, j'ai eu le quatrième prix, mais je méritais pas vraiment parce que c'était contre Roger Figueras et Bouchard. Je manque ma passe et il me prend sur la barrage, je monte, je fais comme ça, et lui, il passe par devant un peu et moi je tombe après et du coup c'est moi qui suis quatrième et lui il est passé à la seconde. Mmh. Donc ça c'était mon meilleur truc. Mais j'ai préféré une fois où alors est-ce que j'ai. Je me rappelle, tu vois, c'est dingue quand je suis pas chiffre, truc comme ça, là, palmarès. Mais une fois j'avais perdu contre Cyril Delia. Il me semble bien que c'est un deuxième tour de revanche. Hein. Et j'avais aimé cette scène où j'avais trouvé que j'avais bien jouté et tout. Et je manque la demi-finale de pas grand-chose. Mais c'était une de mes scènes préférées. Après, celle que je râle le plus, c'est 2001, il me semble. Je m'étais pété le poignet l'année d'avant, donc j'avais pas jouté. Et je reprends à la Coupe d'Or. Je fais un super tournoi. J'avais pris Olivier Soula d'entrée. Tu vois, j'avançais, tac, tac, tac. Et en demi-finale, je fais le bouquet avec Stéphane Vatiolle. Il me semble que je le jette et que je touche son plancher et je tombe derrière. Tu vois, vraiment, j'avais super bien joué. Le lundi, j'en jette deux. Je prends Nicolas Papardo. Pareil, on fait un combat, pareil, quatre passes chargées, j'avais la peau de la main qui s'était arrachée et tout, mais et la dernière, je suis un peu court, et je me pète le genou croisé, blah, blah, blah. Et là, pareil, tu vois, je pense que c'était un bon tournoi pour moi, je me sentais bien, j'avais bien jouté avant, j'étais en confiance, parce que, tu le sais, les joutes, tu as beau être le plus fort du monde, si tu n'es pas en confiance... Ah, attends. Voilà, ça se joue au moins la moitié dans la tête. Bon, alors après, j'ai pas des gros. La Saint-Louis est lourd. Autant, tout, dans les autres catégories, j'ai un ratio victoire qui est quand même assez élevé. Autant, un lourd. Je suis pas passé le cap, c'est tout. Alors, j'aimerais te montrer celle-là. Tu es au micro. Mmh. Alors là, tu t'exprimes tranquillement. Mais ouais. Je t'ai entendu l'autre fois quand tu étais à RSL. Ouais. Que tu disais que c'est un exercice qui t'est encore parfois difficile et que même des fois tu refusais de prendre le micro. Alors comment tu expliques là que t'es à l'aise? À la radio, je t'ai écouté, t'avais l'air aussi à l'aise. Ouais. Comment t'expliques? C'est le fait qu'il y ait le public devant toi? Peut-être, puis bon là, je m'améliore un peu quand même. Mais en fait, si tu veux, je suis un peu émotif, tu vois. Et donc quand je parle d'un truc qui me tient à cœur, putain, j'ai les larmes qui montent de suite. À ce point. Ouais. Et en plus, quand tu fais le discours de la jeune lance le dimanche, t'es fatigué et ça alors c'est le meilleur truc pour te faire pleurer, tu vois. Et donc Mika Arnaud, qui est mon ami, à chaque fois que je fais le discours, il attend que je pleure parce qu'il s'en fout de ma gueule, ce con. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est... Et puis voilà, des fois j'ai envie de j'aimerais dire des mots. Je suis passé après Minal, quand il faisait un discours, c'était tu vois, le haut du panier, c'est tranquille, sans panne de notes, sans dire rien, tu vois, ça sortait nickel. Et donc, quand toi, tu passes derrière, tu te dis, putain, il faut que je fasse comme lui. Mais en fait, non, il faut juste faire ce que tu sais faire. Voilà, ouais. Exactement. Alors, et je vais terminer cette série de photos par Sébastien Abellan et tous les collègues qui l'entourent. Donc, j'aimerais déjà, d'une, que tu reviennes sur le succès de Sébastien et par ricochet de Christophe. Ouais. Et jamais, j'imagine, que tu aurais cru 2-3 ans en arrière qu'il l'aurait obtenu avec la jeune Lance. Oui, c'est sûr. Et terminé par l'amitié dans les joutes, qui, j'imagine, est la base. Alors là, tu en as pour 2 heures, hein, de plus. Allez, t'écoute. Non, mais ouais, Bastien et Christophe,
à la jeune lance, c'était pas pensable, hein, parce que c'est quand même des piliers, des gens emblématiques de l'an sportif. Bon, mais l'histoire a fait qu'ils ont préféré changer, et j'étais très honoré qu'ils viennent à la jeune lance. C'est mon cercle réduit, tu vois. Quand moi j'ai commencé dans les joutes, je suis plus jeune que là, j'ai 3, entre 3 et 4 ans, suivant les certains. J'ai commencé, donc j'étais le petit de la bande, et je les suivais sans arrêt, et j'ai tout appris avec eux, tout. Je commence à sortir, machin. Et je peux te dire que si j'avais pas eu des mecs comme ça, comme Michael Arnaud, Guillaume Jeannet, c'est pas champion Guillaume, hein, mais c'est des amis. Tu avais Olivier Soula, on était une bande, et Hervé Félicès, on partait, on allait faire la journée de joute ensemble. Et si j'avais pas eu ces mecs-là, peut-être il y a 15 ans que j'aurais été de shooter. Parce que j'ai jamais été le type qui veut gagner, qui veut. Évidemment, quand tu es sur le plancher, tu essayes de gagner quand même, hein. C'est pas des pantins. Hein. Mais ces moments-là, putain, on prenait le bateau. Dès que tu mettais le pied sur le bateau, tu commençais à rire, et tu arrêtais de rire quand tu rentrais. Hein, parce que tu te faisais engueuler parce que tu rentrais trop tard. Tu vois. Et sinon, c'était. Voilà, c'est mes amis, c'est ma famille des joutes. Voilà. Et donc quand Bastien il gagne à la Saint-Louis, que Christophe il gagne à la Coupe d'Or, et qu'on se retrouve tous là, et c'est bon, c'est bientôt fini, nous, là, les joutins. Putain, si tu dis, ça recommence, allez, on repart, c'est reparti. On a fait une fête énorme. C'était vraiment. Voilà, après, ouais. Moi je. Dans ma carrière de joute, ce que je retiendrai toujours, c'est pas mes victoires ou pas mes victoires, c'est mes amis, mais voilà, mon cercle restreint de mes amis, de ma famille, des joutes, c'est eux. Quoi. Et pour terminer, comme il est de tradition, avec moi, la caméra est à toi, et le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire. C'est de la fin, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais te dire, j'aimerais rendre hommage surtout aux gens qui sont dans l'ombre des sociétés, parce que tu as pas mal de gens qui travaillent, des mecs comme moi, des présidents, des machins, qui ont quelque part un retour sur investissement, parce que tu es connu, tu es machin, donc tu deviens quelqu'un. Il y a même des gens qui le font pour devenir quelqu'un. Mais tu as aussi certainement 3-4 fois plus de mecs qui bossent dans les joutes et qui en retireront jamais rien, et dont on parle très peu, tu vois, et ça, il faut rester humble vis-à-vis d'eux, parce que nous seuls on fait rien, hein. Tu as beau être le plus grand président du monde, tout ça, non, ça, tu fais rien ça, si t'as pas les mecs qui viennent, qui te font la glace, qui te font la sono, qui te font l'ambulance, qui te font les mecs, ça, c'est les valeurs ajoutées à ta société, à ta structure. Qu'on pense pas au prime abord, c'est vrai. Et personne n'en parle, personne n'en parle. Si, tu les remercies, mais voilà. Il faut qu'eux, ils sachent que ce qu'ils font dans les sociétés, ce qu'ils font dans le monde des joutes, c'est hyper important, et c'est certainement plus important que tous ces mecs qui sont toujours au-devant de la scène, qui reçoivent un peu les compliments, et bon, des fois, qui se font tailler, hein, parce que là, par exemple, cette année, nous, on est un peu sur le fil du rasoir avec cette histoire de Covid, tu joutes pas, voilà, donc chacun va dire il fallait pas jouter quand on a jouté, mais tant qu'on joute plus, on te dit il fallait jouter, bon, voilà. Mais bon, nous en tout cas, on est sous les feux des projecteurs, alors que ces mecs-là, on n'en parle jamais, ou très peu, et il faut qu'ils sachent qu'ils sont au moins aussi importants que nous, si ce n'est plus, quoi. Voilà. Mathieu, merci. Merci à toi. J'ai envie de te dire, pour terminer, on te retrouve en blanc en 2021. Oui, ouais, c'est bon. Oui, je ne viendrai pas de mes bains comme j'ai pris la dernière, t'inquiète. Merci à toi, merci. Allez, ciao. Merci.